Une ambiance festival de cinéma avec traversée d'un tapis rouge. C'est parti, on va monter les marches. Place à la projection. Maxime Mortini et les Graphic Clip Kids participent au 10e anniversaire du festival du court-métrage jeunesse. Au rendez-vous exceptionnel du Pâté Brumath, 6 centres de loisirs dont les Turlupins de Souffelweyersheim. Le Festival des Petits Cours a pour vocation d'initier les enfants au métier du cinéma. Christophe Garois de La Souris Verte de Lampertheim et Maxime Mortini des Turlupins de Souffel sont les pionniers du projet qui séduit chaque année une centaine d'enfants. Ça prouve que notre projet prend de l'ampleur, se développe et qu'on y a mis de la persévérance. C'est chouette parce que les enfants écrivent, réalisent et montent et pour nous, c'est une révélation pour eux, pour nous c'est une vraie victoire. Cette histoire se passe dans une petite ville tranquille, avec ses routes calmes, sa mairie. Écriture, effets spéciaux, fond vert, prise de vue, son, animation, jeux d'acteurs, les enfants touchent à tout et découvrent un univers attractif. J'avais envie d'être dans un film pour une fois, avec un réalisateur, avec des acteurs. Un preneur de son, un caméraman. C'est dur, mais ça va. Cool. Alors, tu as une idée? Si on veut intéresser la presse, je pense qu'il faudrait qu'on monte un spectacle. Quel genre de spectacle? Je sais pas, moi. Du cirque, par exemple. Reichstätt, Brumath, Oberhausbergen et Vendenheim sont les autres participants. Dans la salle, les parents découvrent le travail de plusieurs mois. Merci à vous. Bravo. Je pense que ça doit être assez compliqué de gérer tout ça, mais au vu de ce qu'on voit, ils ont l'air de beaucoup s'amuser aussi, donc c'est vachement bien, super. Ils s'amusent et on le sent, et puis d'année en année, parce que c'est pas la première fois qu'on vient, on voit qu'il y a des progrès, point de vue du montage, technique, tout ça, c'est super. Les petits cours ont même créé des vocations. Alexandre Imbert a tourné son premier court-métrage à 7 ans au Turlupin. Il est aujourd'hui en première avec une option cinéma. Je me donne vraiment à fond et voilà, j'ai vraiment envie d'y arriver parce que c'est vraiment, je pense, l'un des plus beaux métiers du monde. Réaliser des films, créer, je crois, c'est quelque chose d'exceptionnel et quelque chose que j'ai envie de faire plus tard. Le Festival des Petits Cours espère s'installer chaque année au Pâté Brumath. Après 10 ans d'activité, le collectif a bien mûri et il espère passer en association. L'objectif ? Développer de nouvelles activités. Car les enfants se sont pris au jeu. On doit les applaudir bien fort pour ce très beau film.